Alors, enchanté Johan, je vois que vous avez un collector Prestige Edition de Call of. Donc c'est un cadeau qui vous fait plaisir, j'imagine. C'est mon précieux, pour être tout à fait précis. C'est marrant, vous êtes plusieurs à dire c'est mon précieux ce soir, il y a un mot d'ordre qui a été donné. Non, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Bon, sérieusement, vous êtes donc un sportif, on peut dire ça comme ça, de haut niveau. La question que je pose à ce moment-là, c'est êtes-vous un vrai joueur de Call of dans la vie? Et comment vous trouvez le temps dans votre organisation? Parce que c'est quand même pas facile, hein. Vous avez une hygiène de vie, un travail à faire. Comment vous trouvez le temps de passer des nuits là-dessus? Eh ben justement, on trouve toujours le temps, c'est-à-dire soit un tout petit peu après la sieste ou le soir, surtout après les matchs. Moi, j'ai du mal à m'endormir tout de suite, donc c'est un bon moyen pour décompresser avant d'aller au dodo. Et puis, on a quand même une grande communauté, on est beaucoup de sportifs à jouer sur les réseaux sociaux. Et du coup, on essaie de faire des équipes, on essaie de jouer en réseau, mais ce n'est pas une excuse d'être professionnel, de ne pas pouvoir s'amuser et profiter de ce magnifique jeu. C'est vrai. Alors, question, dans le jeu, vous êtes plutôt sniper ou plutôt fonceur? Alors, moi, je suis prudent. C'est-à-dire, je ne suis pas un campeur non plus, mais j'aime bien étudier les maps, essayer de ne pas mourir bêtement. Parce qu'en fait, mon objectif, c'est de tuer plus qu'on me tue. Voilà. C'est déjà un bon objectif. Voilà. Par contre, du coup, prise en main du nouveau Call of, vous avez eu l'occasion de le tester un petit peu? J'ai eu l'occasion de le tester, j'ai trouvé beaucoup plus fluide. Toujours dans la même optique aussi, mais les armes, c'est toujours les armes qui me fascinent. Moi, la qualité, les rafales, tout ça, quoi, les frags, c'est tout ce qu'on aime. Pas eu l'impression que, entre parenthèses, comme on peut le dire, on meurt un peu plus vite? Bah oui, parce que forcément les armes sont plus précises, elles sont plus redoutables, et c'est surtout cette fâcheuse tendance de réapparaître et de mourir tout de suite qui m'énerve, qui m'a toujours un peu énervé, mais sinon dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était plutôt correct. D'accord, alors on va poser l'ultime question, si vous deviez en prendre qu'une seule, prochaine génération, ça serait plutôt Xbox ou plutôt PlayStation? Xbox, sans hésiter. Non. Une raison ou c'est le coup de cœur? J'en veux à PlayStation parce qu'à cause d'eux, je suis parti sur Xbox à cause de PES. Bon, ben voilà, les gars, c'est à cause de Konami tout ça. Voilà. Bon, merci beaucoup, Johan. Franchement, c'était très sympa. Bonne soirée et profitez bien.